I mua i te mau if atupuhia i te tirotiro o te whea paruparuia te ro ohie nohia i te mau ati whino te ia mau mai. Tā mau i te paruruvha, ia here atu oe e wharere i te ia whea, e af atura mai tei i te maurare a paruru, mai te mea te pieiho oe ia rato. Tā mā mai tei narima i te mau hora atua, turu ohuru te toni i te mauru, wha atura i te atear a hoi metera e o rato. I roto i te utuawhere, e i rapai mai te utuawhere. Mā iti te mau wahai puvai vai, a tā mā pinepine i te mau wahai e amuia i te utuawhere. Wha atupu i te mau wharere a fufa, aitai rapia e atu. Wha aiti te mau tere na rapa, hi ora, a haere i te wharetua no rato. Te orara oi pia iso i te whea paruparu, e mea fufa i a hapi i te ia mau ravi a paruru, ara i a wha o hipahi a te reira. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TN TV, la première chaîne du Finnois, pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Nous n'en avons pas fini avec cette pandémie, alors respectez bien les consignes données par les autorités du Finnois et surtout, faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Juste après le générique, je vous propose de poursuivre notre discussion avec Vinky Sage, le président de l'AFAP. Aujourd'hui, nous parlerons de préservation de notre océan et de changement climatique. Ce sera l'occasion de rencontrer Jack Black. A tout de suite. Quelle est, d'après vous, la première ressource de notre Finnois ? Le tourisme, la pêche, la perle ? Rien de tout ça, évidemment. La première ressource de notre Finnois est son environnement. Car sans un environnement sain et préservé, il n'y aura ni touristes, ni pêche, ni perles. Et malheureusement, nombreux sont ceux qui ont tendance à l'oublier. À croire que les facilités du monde moderne laissent à penser qu'il y aura toujours une solution technique aux dégâts causés par les activités de l'homme. On creuse à tout va dans des motos dans les îles jusqu'à toucher la lentille d'eau et priver ses voisins d'une eau précieuse pour cultiver leurs parcelles. Mais ce n'est pas grave, on tirera un tuyau d'eau pour vous fournir de l'eau au robinet. On abat tous les arbres car on les estime inutiles et uniquement créateurs de déchets verts. Et on se plaint ensuite de la chaleur étouffante et du manque d'eau. Mais ce n'est pas grave, on construira des serres couvertes d'embrières en plastique rafraîchies à coups de ventilateurs et de brumisateurs. L'homme, cet animal doué d'intelligence, a malheureusement la bêtise de croire qu'il maîtrise son environnement. Or, au contraire, c'est son environnement qui finira par venir à bout de lui, un de ces quatre. Bonne émission. Savez-vous que le monde dépense chaque année 423 milliards de dollars pour subventionner les combustibles fossiles? C'est 4 fois le montant demandé pour aider les pays pauvres à faire face à la crise climatique. C'est ce qui pourrait payer les vaccinations de la COVID-19 pour chaque personne dans le monde ou payer 3 fois le montant annuel nécessaire pour éradiquer l'extrême pauvreté dans le monde. Je vous propose de rencontrer Jack Black, un spécialiste en extinction des espèces. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Nous avons l'opportunité de changer de cap. Choisissant, une autre voie nous explique-t-il. Encore faut-il réussir à l'écouter. Et parmi les premiers gestes à faire, éviter les plastiques à usage unique. Comme chaque semaine, je vous propose un décompte vers la fin des sacs plastiques au Finnois. À partir du 1er janvier 2022, tous les sacs contenant du plastique et destinés à l'emballage des marchandises dans l'espace de vente seront interdits.
Et savez-vous que la loi vous permet désormais de vous rendre dans votre magasin avec vos contenants secs et propres? Renseignez-vous sur les conditions auprès de votre magasin préféré. Je vous le disais en introduction, notre équipe a reçu dans son studio M. Vinicky Sage, le président de la Fédération des associations de protection de l'environnement, la FAPE Teura Naho. Et je vous propose de poursuivre notre petite série d'interviews. Ce soir, nous parlons de la protection de notre océan. On ne peut pas continuer à pêcher de cette manière dans les eaux internationales. Et donc là, parce que c'est les eaux internationales, tout le monde se permet de venir ici pêcher à outrance. On est souvent focalisé bateaux chinois et tout. Non, il y a beaucoup de bateaux américains, hein. Faut pas croire. Il y a des bateaux espagnols qui viennent, il y a des bateaux de partout. C'est pas que les pays asiatiques qui sont autour de nous. Et ça, c'est un vrai problème. Donc on aura beau nous préserver, si à l'extérieur c'est du pillage, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, le stock de thon, de poissons, est inférieur à ce que les scientifiques ont annoncé. Donc un jour, on va peut-être ne plus avoir de thon du tout. Et ça, c'est grave. Ça, c'est vraiment une question qui est fondamentale et sur laquelle il faut qu'on mobilise tous les peuples du Pacifique et qu'on mobilise tous les gouvernements aussi. Cette semaine, dans notre série Zoom sur, je vous propose de regarder une vidéo très forte, celle du discours du ministre de Tuvalu qui s'est adressé depuis son pays aux participants de la COP26 sur le climat à Glasgow, au Royaume-Uni. Regardez, et même si vous ne parlez pas anglais, les images parleront d'elles-mêmes. In Tuvalu, we are living the realities of climate change, sea level rise, as you stand watching me today at COP26. We cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time. Climate mobility must come to the forefront. We must take bold, alternative action today to secure tomorrow. Fatailasi, Tuvalu Modetu. Pour terminer notre JT vert, je vous propose cette semaine de préserver notre garde-manger et découvrir les histoires de pêcheurs. Produit par la communauté du Pacifique dans le cadre du programme Protège, avec le soutien financier de l'Union européenne, du gouvernement de la Suède et du programme d'aide néo-zélandais, l'épisode d'aujourd'hui vous parle de nos récifs coralliens. Regardez, c'est notre coup de cœur de la semaine. Hé, hey, Maeva, qu'est-ce que tu fais? Tu abîmes tous ces coraux? Juste pour un poulpe, laisse-moi te donner un conseil. Ne fais jamais ça. Hein? Quand j'étais jeune, il nous arrivait de pêcher avec des explosifs, du poison ou des produits chimiques. Pêcher était devenu si facile. Oh. Mais rapidement, des récifs entiers ont été abîmés. En fait, nous détruisions la maison des poissons, des langoustes et des autres animaux marins. Or, sans habitat, pas d'habitants. Et nos prises ont rapidement diminué. C'était aussi risqué pour les pêcheurs. Tu te souviens de l'accident de mon ami Joseph? Ouch! Regarde. Lorsque tu veux une noix de coco, tu ne coupes pas le cocotier, n'est-ce pas? Parce que tu veux qu'il continue de te fournir des cocos, jour après jour. Pratiquant une pêche qui ne détruit pas l'habitat des poissons. En préservant ces habitats aujourd'hui, nous prenons soin de notre garde-manger et de nos futurs revenus. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Restez prudents. On se donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Au revoir. Prochainement dans le JT Vert, pour notre dernier épisode de la saison, nous serons toujours avec le président de la FAPE, M. Vinicky Sage. Dimanche prochain, nous vous proposons d'entendre l'appel des animaux. Restez connectés, c'est dimanche prochain dans le JT Vert.